Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur dailyfx.fr, émission spéciale pour le PIB des États-Unis. Alors pour la seconde estimation de la croissance économique aux États-Unis au troisième trimestre, seconde estimation avant l'estimation finale, juste avant Noël, le 23 décembre. Alors le chiffre tombe dans 13 minutes, voilà donc comment je vous propose de procéder. Puis en attendant, est-ce que l'un d'entre vous peut me confirmer que le son et l'image fonctionnent correctement? On va procéder de la façon suivante, un tour d'horizon rapide des actifs financiers. On va passer en revue une dizaine de paires de devises, les indices boursiers, les matières premières. Voilà, ça fonctionne normalement, merci. Ensuite, le chiffre, la réaction forcément. Et après, on prendra le temps bien de reprendre, de s'intéresser plus en détail à ces actifs financiers. On parlera notamment du dollar australien avec ce matin une conférence, enfin un dîner, puisque c'était l'heure du dîner à ce moment-là en Australie, du gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Australie, Monsieur Lowe. Qui est d'ailleurs revenu dans sa conférence de presse au sein de ce dîner donc sur le taux de change du dollar australien sur le marché d'échange. On parlera aussi assez largement des cours du pétrole avec une stabilisation, vous le savez, depuis la semaine dernière des cours du brut, mais aussi du pétrole britannique, le Brent, en tout cas celui de la mer du Nord. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est la première semaine en 8 semaines que les cours du brut n'ont pas baissé. Alors certes, ils n'ont pas monté non plus, plus 0,8, mais en tout cas une semaine de transition. Demain, décision en ce qui concerne la production des pays membres de l'OPEP, c'est important, on en parlera, et notamment donc des tractations qui se jouent actuellement avec notamment l'Arabie Saoudite et la Russie, hein, qui est ici en fait en tant qu'observatrice, mais qui compte aussi de par son poids dans la production de pétrole. Alors, étudions tout d'abord le calendrier économique. Qu'attendons-nous aujourd'hui? Seconde estimation de la croissance économique aux États-Unis. En première estimation, le chiffre réel était donc de 3,5%. Le consensus pour cette seconde estimation est un peu moins optimiste, 3,3%. L'estimation finale, quant à elle, sera publiée le 23 décembre. 23 décembre 2014, une date à déjà noter donc dans votre agenda en ce qui concerne donc votre activité de trading. Ce calendrier, il est filtré ici, il est sur le site DailyFX. Vous pouvez librement le charger. Alors, qu'en est-il des marchés actions, du marché d'échange et des matières premières? En gros, le topo, c'est quoi? Le marché actions, c'est l'euphorie depuis jeudi dernier, avec des nouveaux sommets historiques à Wall Street, un marché actions européen qui continue d'effacer, eh bien, les pertes de ce choc, hein, qui avait eu lieu la première quinzaine du mois d'octobre. D'ailleurs, le DAX s'est fait. Le DAX, en atteignant 9892, pardon, a effacé 100% du choc baissier. Sur le court terme, nous sommes sous résistance, c'est suracheté, c'est clair, on va étudier justement ces niveaux. Cependant, le surachat n'a jamais empêché les marchés de progresser. Alors on étudiera tous les cas possibles et différentes stratégies de positionnement, sachant que le postulat de base en termes de stratégie de trading, c'est de vendre sous résistance et d'acheter sur support. Alors, bien par quoi allons-nous commencer? Nous avons une dizaine de minutes. On ne peut pas dérouler tout le point de marché en 10 minutes. Alors, je vais me concentrer sur certains actifs. Et nous allons commencer par le CAC 40, forcément. Et le DAX, bien sûr. Le CAC 40 atteint 4400 points. 4400 points, sur le plan d'analyse technique du CAC 40, c'est un chiffre rond. Et c'est, en tout cas, on approche de la partie haute d'un canal haussier. Cependant, le CAC cale à 4400 points parce que déjà, un chiffre rond a une existence, en tout cas est considéré dans les livres d'analyse technique comme un niveau de prix relevant justement de l'analyse technique. Par contre, le DAX, lui, est beaucoup plus précis. Le DAX a atteint clairement un objectif de cours. Il a atteint les 9892 points, pile poil, le sommet ici du 19 septembre 2014. Donc, le DAX a donc effacé toute cette phase de baisse ici qui correspond à ce choc de baisse qui avait lieu entre 9892 et 8351 points. C'est une résistance, le marché plafonne, deux solutions possibles. C'est une résistance et forcément le marché plafonne depuis une heure, j'imagine tout simplement parce que des stratégies de vente sont actuellement en train d'être mises en place sous cette résistance. Disons que c'est justifié du point de vue du niveau de prix, ça ne l'est pas par contre en termes de tendance. Cependant, suite à la publication du PIB aux États-Unis, je ne vois que deux cas possibles sur ce DAX, soit un violent rejet baissier sous les 9892, avec un retour en direction du premier support à 9720, enfin 9830 et 9770, soit au contraire une cassure haussière immédiate, et dans ce cas un DAX qui rejoindra les 10037 points. 10037 points qui représentent donc la prochaine résistance ici. Là, nous retrouvons les sommets du mois de juin dernier sur ce marché action allemand. Personne
de boule de cristal. Cependant, sur le très court terme, et depuis ce matin, nous sommes sous résistance, les traductions étant de ces 8992 points du DAX, 4400 points ici sur le CAC 40. Le topo est le même, soit le CAC nous crée un espèce de double top ici en intraday sous 4004, revient chercher 4356 voire 4323, c'est suracheté, c'est tout à fait possible, c'est résistant. Ce qui serait un pullback pour acheter, ce serait de revenir tester entre 4290 et 4323, là où on retrouve l'élan acheteur de jeudi et vendredi dernier, donc beaucoup de positions longues j'imagine. Si les 4400 points passent en ligne droite, le CAC s'envole en direction des 4436, le niveau que le DAX a atteint ce matin, les sommets du 19 septembre 2014, et cette ligne de tendance baissière en place depuis le début de l'année, elle attrape tous les sommets. Donc pour le CAC, le DAX, voilà le topo. Ensuite, pour les marchés actions européens, il ne faut pas oublier le MIB et l'IBEX. Alors aujourd'hui, l'Eurostox 50 casse une résistance. Pourquoi ? Parce que le MIB et l'IBEX ont, sur le très court terme, une meilleure force relative que le CAC et le DAX. Ils rattrapent un peu de leur retard. Et donc, en effet, l'Eurostox 50 est en train de casser une résistance à 3239 points. De manière certes extrêmement marginale, mais en tout cas, cet indice franchit l'équivalent des résistances que testent actuellement le CAC et le DAX. D'ailleurs, parlons de l'IBEX et du MIB, puisqu'il y a probablement parmi vous des investisseurs. Et en effet, nous retrouvons sur ces deux marchés actuellement des cassures. Donc le MIB, c'est très léger, est en train de s'affranchir d'une résistance à 20100 points. Et l'IBEX, lui, eh bien, établit de nouveau plus haut, là, en franchissant les 10734. Donc, c'est pourquoi l'Eurostox 50 donne une vue plutôt positive, là, puisqu'il est porté par cette forme de rattrapage depuis vendredi dernier des indices du sud de l'Europe qui ont mis 3 semaines à sortir d'une phase de range qui avait démarré sur ces marchés la 3e semaine du mois d'octobre. Alors il est difficile de dire ce que fera le marché, mais en tout cas voilà l'état des lieux. Soit le DAX détient la vérité, il est sous résistance et peut subir un rejet à court terme, soit l'Eurostox 50 et les indices du sud de l'Europe détiennent la vérité, en tout cas le mouvement futur, et dans ce cas, ces résistances seront cassées à la hausse. Les marchés actions US, j'ai tenté ce matin de mettre en avant les niveaux de prix qui comptent, car autant les vendeurs que les acheteurs, les vendeurs se demandent quelle résistance vendre sur les marchés actions US, et les acheteurs se demandent quels sont les objectifs de cours. Malheureusement, ces indices sont sur des niveaux de cours historiques. Donc, je proposais d'utiliser les ratios d'extension de Fibonacci. Le principe est quoi ? Je vous donne des niveaux de prix, les vendeurs, vous les shortez, les acheteurs, ce sont des objectifs de cours. Quelle est ensuite la force de ces différents niveaux ? Aucune idée, ils ont tous la même force, étant donné que nous sommes sur des sommets historiques. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est plus puissant entre 2070, 2100 c'est un chiffre rond certes, ou encore 2078-2079 qui sera la partie haute ici de ce canal. Voilà donc l'objectif du document qui se trouve sur le site de cette étude d'analyse technique en colonne de droite ici sur le site, tout simplement vous donner des niveaux de prix, des repères, hein, parce qu'il n'y a pas de repères graphiques sur les marchés US. Donc tous ces niveaux qui sont indiqués ici sur le graphique du Dow ou du SP500, vous voulez shorter, vous attendez un contact avec ces niveaux horizontaux, vous êtes long, et bien vous visez ces objectifs de cours, et à mesure que le marché les dépasse, ces résistances deviennent support et les stops de protection peuvent être ramenés juste en dessous de ces niveaux de prix horizontaux. Voilà donc en 5 minutes un tour d'horizon de tous les indices. Pour en parler, il y en a beaucoup d'autres, mais à un moment ou à un autre, il faut faire un choix avant les chiffres. Parlons maintenant du FX. Eh bien, qu'est-ce qu'on observe depuis ce matin ? Déjà la formation d'une résistance sur l'euro-dollar à 1,2450, mais depuis le début de la semaine, la formation d'un support à 1,2357. Alors, en clair, sur l'euro-dollar, le pivot de la journée, c'est 24,50. Sous 24,50, eh bien, le marché reste sous résistance et peut parfaitement retomber en direction des 23,57, redonnant un poids à la tendance haussière du dollar US. 24,50 sont cassés à la hausse, ce marché se dirigera à nouveau, je pense, vers les 25 et les 25,50, qui sont en réalité la partie haute. On peut avoir au fond une lecture en range entre 23,57 ou 25,70, ou encore le marché serait peut-être sorti par le bas d'un espèce de drapeau et dans ces cas-là est voué à faire rapidement de nouveau plus bas. Le pivot, la réponse, la clé, c'est 1,2450. Alors, il me reste 3 minutes pour vous parler de quelques paires de devises qui m'intéressent, et puis après on prendra plus largement le temps d'en parler. J'apprécie notamment la réaction, j'avoue c'était complexe, du CAD CHF et de l'EuroCAD. Si vous avez lu l'avis d'analyste
Ce matin, je vous ai proposé une stratégie d'achat à 0,8550 du CAD CHF. Belle prise d'appui sur ces 0,8550 du CAD CHF. Et je pense que là, nous avions un bon point d'intervention. Ce qui signifie au fond que d'une certaine façon, l'euro CAD aurait fait un espèce de pullback un peu profond. Alors, ce sont des niveaux hebdomadaires. En tout cas, j'observe que l'euro CAD subit un rejet sous 1,4060 et le CAD CHF une impulsion haussière au-dessus d'un support à 0,8550. C'est plutôt sympathique. Des paires majeures forcément avant les chiffres. L'USD Yen nous propose une phase de transition latérale au sein d'un canal haussier. Je pense que ça s'apparente plus ou moins à une espèce de triangle. En tout cas, au-dessus des 117,35, je privilégie le redémarrage haussier et l'inscription de nouveaux sommets sur cette paire USD Yen tant que ces 117,35 font office de support. L'AUD, écoutez, il reste 2 minutes, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais dans un second temps, nous en parlerons. Cependant, je m'intéresse toujours à l'AUD NZD. Si ce marché teste les 1,0920, vous le savez. Et d'autre part, toujours en ce qui concerne les paires en AUD, l'AUD Yen, je surveille le niveau des 100. Le marché est en train de tomber sur le niveau des 100, je pense qu'il peut y aller. Et j'observerai à ce moment-là une stabilisation et peut-être des divs, on verra. En tout cas, je surveille les 100 yens pour chercher un positionnement dans le sens de cette tendance haussière de fond qu'est l'AUD Yen. Donc 100 en plus un chiffre rond, bref. Bon, ça peut encore baisser, faut pas le shorter non plus, mais en plus on est sorti par le bas d'un espèce de range de sommet là, donc je pense qu'on peut revenir à 100 yens, je le surveille. Le CAD yen, c'est comme l'USD yen, d'ailleurs aujourd'hui il refranchit un niveau à 104,50, c'est plutôt pas mal. Voilà, bon après il y en a beaucoup d'autres, donc on n'a plus le temps maintenant, je laisse sous les yeux l'eurodoll, en gros rejet sous 24,50 ou cassure haussière, le CAC 40 avec ses fameux 4400 points, soit le rejet, soit ce marché va chercher 44,36 dans la foulée, et l'USD Yen, et bien sûr, le chiffre, vous en prendrez connaissance, le consensus est 3,3%, et c'est tout de suite dans une minute, donc nous allons y être attentifs. Dernière estimation, le 23 décembre. Et donc, quels sont ces chiffres? Bien sûr, Wall Street ouvre à 15h30. Donc le chiffre tombe et le marché réagit, il doit être sacrément bon étant donné que le dollar s'envole. Donc le dollar s'envole, il y a des prémices là, il y a des prémices intéressantes. Donc on constate dans un premier temps que l'USD Yen tente de réattaquer ses récents sommets. Alors si j'étudie ici cette configuration en triangle de consolidation dans le sens de la tendance, la partie haute se trouve aux alentours des 118,50. Donc il faut réellement refranchir 118,50 et là derrière c'est 120. Donc en tout cas, quel est le chiffre? Il faut tout de suite en prendre connaissance de ce chiffre. Donc c'est 3,9 et B, c'est assez classique, je dirais, des indicateurs de conjoncture économique américaine. Donc nous avons une très nette accélération du. Par rapport à la première lecture de la croissance économique aux États-Unis, presque 4%, alors que le marché en attendait 3,3%. Il est de toute façon nécessaire à l'économie américaine de produire de bons chiffres, étant donné que le programme d'achat d'actifs, lui, est révolu. Donc, pour l'instant, c'est tout à fait favorable. Donc forcément, on privilégie le scénario de cassure de résistance sur les marchés actions. Et notamment, nous avions donc ces prémices sur l'indice Eurostoxx 50 qui, avant le chiffre, casser une résistance ici à 3240 points et forcément j'imagine que MIB et IBEX en profitent directement. Donc en effet, cela tout va bien. Allez, maintenant on a connaissance du chiffre. Donc l'euro dollar fait donc a priori un choix qui est celui donc de rejeter sous les 1,2450, ce qui signifie que l'USD CHF rebondit sur un support à 0,9660 et somme toute, l'USD CHF semble bien parti pour retester 0,9740 et donc l'euro dollar devrait revenir chercher un 23,57. Et là, si derrière si ça casse, c'est que ce marché est donc réellement sorti par le bas d'une configuration en drapeau. Attention, il existe un niveau intermédiaire à 1,24, le marché est dessus. C'est donc la clé pour la suite des événements. Alors, c'est clairement quelque chose qui soutient le dollar. Maintenant, tour d'horizon classique, habituel des marchés. On reprend donc tous les indices, toutes les paires de devises, une bonne quinzaine. Le dollar australien avec un petit focus.
et bah forcément les matières premières et les pétroles, avec demain donc une décision importante de l'OPEP. Et on va essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc le CAC 40 tente de s'affranchir des 4004, mais en réalité le dernier point de clôture c'était 4386, ici sur Chandelier 4 heures. Donc la prochaine résistance sur le CAC 40, en étudiant ce canal, elle est à 4418, 4436. Voilà. 4436 en prochaine résistance, prochain objectif de cours sur le CAC 40. Le DAX réalise actuellement donc une cassure des 9892 points. Alors, il est nécessaire d'avoir au moins un chandelier 4 heures qui atteste de la cassure. C'est-à-dire que ce chandelier 4 heures, nous l'aurons à 15 heures. Donc, voilà, entre 14h33 et 15h, il y a un scénario différent qui est possible. Pour la suite des événements, je vous invite au moins à patienter la clôture et attendre cette clôture de 15h. Et forcément, si nous avons un beau chandelier 4 heures avec une clôture tout en haut, c'est la cassure, c'est avéré. La prochaine target, c'est 10 000 points ici sur ce marché action allemand, puisque bien cette résistance à 9892 est effacée. Donc c'est officiel, le DAX a donc fait plus qu'effacer toute la baisse du mois d'octobre. Il est désormais donc au-dessus. Bon, si vous avez des questions sur les indices boursiers européens, que ce soit le MIB, l'IBEX, des questions plus précises, laissez-les dans le chat. Je vous répondrai tout à l'heure. Alors, le SP500 et le Dow Jones, vous avez ici un papier qui se trouve sur le site avec ces niveaux-là sur lesquels je vais zoomer. En clair, le Dow Jones, bon, tant qu'il est au-dessus des 17 719 points, la prochaine extension c'est 17 940. Voilà, hein, je suis obligé de chercher des niveaux théoriques étant donné qu'il n'y a pas de repère. 17 940. Et sur le SP, bah 2070, c'est un niveau, on plafonne en dessous, hein, 2070-2075. Bon, si ça passe, après, bah, c'est 2100. Hein, voilà. 2100 points ici. En tout cas, c'est la prochaine extension sur ce marché action US. Donc voilà. Bon, notons tout de même que le DAX, ce qui est très difficile en fait par rapport au niveau actuel des cours, c'est que c'est complètement suracheté. Hein. Lorsque vous êtes ici, même sur des graphiques en données 4 heures, on est sur des momentum, on est tout en haut, on est top sur des tops, topiche, voilà, bref, ça n'a jamais été suffisant pour inverser le mouvement. Je note quand même que sur le DAX, on teste la partie haute d'un canal, hein, un canal de hausse. Donc, encore une fois, je rappelle le postulat de base de ce point de marché. Les stratégies d'achat se font sur support. Je n'aime pas les stratégies d'achat sur cassure, ni même les stratégies de vente sur cassure. D'ailleurs, elles se font sous résistance. Et j'en veux pour preuve, eh bien, par exemple, ce qu'on vous a proposé sur l'Eurocad ou le CAD CHF vendredi dernier. Nous avons assisté en live et en direct, ça veut dire la même chose, pardonnez-moi, vendredi après-midi à la cassure des 1,4030 sur l'Eurocad. On n'a pas vendu pour autant. Le mot d'ordre était d'attendre un pullback. Et bien, comme quoi, ça arrive puisque nous avons eu le pullback sous la résistance. Et un rejet de déjà eh bien au moins 70 pips, ce que vous constatez ici sur l'Eurocad ou encore sur ce que nous fait ici le CAC CHF avec eh bien vendredi pendant au moment de la publication de la stat la cassure des 85,50. On atteint ici la partie haute d'un canal, on revient, pullback et ça relance. Et en plus c'était confirmé par un rebond sur la neutralité ici sur le RSI, donc c'était plutôt pas mal. Alors vraiment mon mot d'ordre sur les indices serait d'attendre la clôture H4, c'est-à-dire que si sur le CAC 40 elle se fait sous 4400 points, sur le très court terme on a encore tout à fait cette possibilité de double top H4. De même le DAX, s'il inscrivait une mèche haute sous les 9892 en H4, c'est que là le marché, en dépit de ce bon chiffre, n'a pas, en termes de rythme, hein, n'a pas envie tout de suite maintenant d'inscrire eh bien une cassure. Alors, tour d'horizon du FX, et puis ensuite les matières premières, parce que j'avoue, hier j'ai dû vous quitter précipitamment, et donc je n'ai pas pu faire le tour d'horizon des matières premières. Commençons par l'AUD-CHF ou l'Eurocad. Tout ce que je vais dire maintenant sur l'AUD-CHF, c'est la même chose que sur l'Euro-AUD à l'envers. C'est un range entre 0,82 et 0,84,50. On a acheté dans un premier temps ici, lors de cette émission du 20 novembre, le bas du range.
Dans une autre émission, nous étions dans la partie haute. J'attends désormais à nouveau un test du bas du range pour initier donc une stratégie d'achat sur ce support des 0,82 sur l'AUD CHF. L'AUD NZD, bon, on vous en a remis une couche encore. C'est clair, on est en zone d'achat. Le point c'est 1,0917. La zone c'est 1,0917, 1,0931. Voilà, c'est la zone à l'intérieur de laquelle il faut mettre en place donc des stratégies d'achat. Le CAD CHF, nous en avons parlé. Le CAD Yen, eh bien, comme l'USD Yen, évolue toujours dans un canal de progression. Elles sont, ce qui était pas mal en fait sur le CAD Yen, c'est qu'on a bien réagi comme sur l'USD Yen. En fait, on a fait une touchette ici sur le niveau des 50 sur le RSI H4. Et cela s'accompagnait d'un test d'une ligne de tendance ici intraday. Donc bon, ça semble vouloir relancer. Après, on s'envole pas non plus là forcément, en dépit de ce bon chiffre. Mais bon, voilà, le CAD Yen, tant qu'il est au-dessus des 103,90-104, il est tout à fait susceptible de revenir tester ses récents tops ici. Ensuite, l'euro CAD, on en a parlé. L'euro CHF, on en a suffisamment parlé. L'euro GBP, alors en effet, on travaille sur le niveau des 0,7920 depuis un certain temps. L'euro GBP, c'est le comportement, c'est la force relative entre l'euro et le sterling. Je jette un œil aussi au GBP CHF. C'est compliqué. Enfin, on travaille le niveau des 0,7920, c'est en effet un niveau hebdomadaire. Soit ça tient et ça relance rapidement, sinon, si ça cède, c'est qu'on est resté dans un range 0,7750, 0,8046, sachant qu'à 0,8046 passait une ligne de tendance baissière en place depuis 2013, que vous ne voyez pas ici, mais que l'on voit aisément sur des graphiques à plus long terme, comme en données weekly. Je ne sais pas exactement ce qu'on nous prépare autour de ces 0,7920, j'espère que ce n'est pas une espèce de petite conso en drapeau avant de remettre une jambe de baisse et d'aller chercher 0,7861. C'est de l'ordre du possible, et ce tant que finalement on sera sous les 0,7950. Alors, on travaille encore la zone, verrons bien. Le marché est assez indécis en ce qui concerne le positionnement de l'euro vis-à-vis du sterling sur le court terme, tout simplement parce que ces deux monnaies subissent encore sur le court terme la loi du dollar US, avec donc un euro-dollar qui rejette sous 1,2450, mais qui se pose là sur 1,24. Et donc, 1,24 c'est support, 1,2450 c'est résistance. Il est extrêmement difficile de vous dire si nous sommes dans un rectangle 1,2357, 1,2570, ou si nous sommes déjà sortis par le bas la semaine dernière, vendredi, d'un drapeau, et dans ces cas-là, annonçant dans la foulée cassure prochaine des 1,2357. Pour l'instant, les 1,24 tiennent. Et lorsque j'étudie, bon après c'est vrai que l'USDCHF c'est un peu plus propre, et au fond lorsque je vois ce que j'observe l'USDCHF, j'ai quand même l'impression qu'il peut remonter à 0,9730. Alors forcément, c'est plutôt pas quelque chose en faveur d'une tenue des 1,24 sur l'euro dollar. L'euro yen a pris appui sur un support à 145,68 qui en fait correspond tout simplement au précédent sommet annuel en cours de clôture journalière qui avait été inscrit, alors même pas, ça avait été inscrit le 27 décembre 2013, donc c'était le top de l'année 2013, et le marché a fait une petite conso donc en fin de semaine dernière et est revenu s'appuyer sur 146,68. Alors attention, il y a une résistance à court terme à 147,46. L'euro yen, j'ai du mal à voir exactement, je pense qu'on est parti pour un flat, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas exactement ce qu'on fait. On se retrouve maintenant entre 145,68 et 146,46. C'est une paire en yens sur laquelle je n'ai pas d'opinion particulière ici à vous donner. Parmi donc l'ensemble des paires en yens, j'ai plus de visibilité sur CAD yen ou encore AUD yen ou USD yen en termes de stratégie de trading. Euro NZD, rien à ajouter depuis hier. À moins que vous ayez des questions, n'hésitez pas à les laisser traîner dans le chat. Le GBP AUD a cassé hier une résistance ici à 1,8270. Le GBP n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, lorsque vous étudiez le Pound Sterling Index, on constate qu'il est bien reparti en fait. On parlera du GBP Yen notamment. L'AUD étant là sur le court terme sous pression, et je vais vous expliquer pourquoi. D'une certaine façon, le GBP AUD a donné un signal positif en cassant à la hausse les 1,8270. Et donc la prochaine résistance c'est 1,8440. Bon, le GBP AUD est bien orienté,
même si désormais, maintenant, c'est suracheté qu'on approche d'une résistance. Je pense que si vous êtes long, on peut viser 1,8440. Ensuite, où est-ce que peut aller ce marché après coup? Il est difficile de répondre, mais 1,8440, je pense que c'est un niveau que les cours ici peuvent aller chercher sur ce GBP AUD. Bon, GBP CHF, c'est là où je suis très dérangé par rapport à l'euro GBP, c'est que le GBP CHF, j'ai bien l'impression qu'il nous fait un petit flat, un petit drapeau, avant d'aller plus haut. Ce qui signifie que mécaniquement l'euro GBP pourrait revenir en direction des 0,7860. Donc c'est pas, c'est franchement pas évident. C'est compliqué. Je surveillais, c'est vrai, ce niveau des 0,7920, on le travaille. Eh bien, il faut vite choisir une direction, mais là, bon, ça fait plutôt drapeau avant d'en remettre une en direction des 1,5296. Donc forcément, sur l'euro GBP, là aussi, ça fait... en fait, si on fait un espèce de drapeau, je pense que maintenant, il faut clairement pas repasser sous 0,79. Hein. Repasser sous 0,79... sur l'euro GBP, c'est une chute en direction des 0,7860. Donc, on travaille, c'est 79,20. Si vous avez envisagé ou peut-être déjà ouvert une stratégie de trading, impératif d'avoir ce stop à 78,95, car si ça cède, eh bien, ça retombe là et c'est terminé, nous restons dans un range. Après, sur des graphiques de long terme, on verra qu'il y a probablement quelque chose qui petit à petit se prépare, mais ça c'est sur des graphiques mensuels, il y a une compression actuellement au-dessus de ces 0,7750, nous verrons bien. Alors on voit forcément que, en dépit de ce bon chiffre, il n'y a pas non plus un dollar US qui s'envole. D'ailleurs, je tiens à vous indiquer ici sur ce FXM Dow Jones Dollar Index, eh bien, l'existence d'une ligne de tendance qui attrape tous les sommets, et le marché vient de la taper. Donc en atteignant 11 371, ça fait presque un peu biseau. Bon, après, c'est vrai que les biseaux sur les actifs US, ça marche jamais, parce qu'on en sort tout le temps par le haut. Bon, en tout cas, pour le rythme de marché, on a cette espèce de ligne de tendance qui attrape tous les tops ici sur l'USD Index. On voit qu'on tente d'accélérer. Et forcément, la partie haute de cette figure sur l'USD index, c'est ce que vous avez mécaniquement retrouvé avec ce support des 1,24 ici sur l'euro-doll. Cependant, lorsque l'on observe l'USD CHF au-dessus de ce support des 96,60, ça peut. Ouais. Bah, le doll en fait. Ah bah, pas sur support en tout cas. Ce qui est certain, regardez ici, USD index, on tape cette résistance, l'euro tient les 1,24. Donc voilà, il faut faire attention. Ah, c'est vrai que l'euro, depuis le 7 novembre, l'euro index, il y a une modification dans sa tendance, c'est ce qu'on vous a montré. Donc il se prépare des choses. Qu'est-ce qui soutient l'euro sur le plan des fondamentaux depuis quelques semaines? Qu'est-ce qui soutient l'euro depuis quelques semaines? Eh bien, ce sont des statistiques allemandes. L'Allemagne, pendant une courte parenthèse, elle a été un peu un thème d'inquiétude pour le marché parce qu'elle avait eu un taux de croissance négatif au second trimestre. Et puis depuis, elle ne cesse de rassurer en publiant que des indicateurs de conjoncture favorables. Et dans l'euro, il y a le Deutsche Mark. Alors, probablement, grâce à ces chiffres allemands, l'euro ne baisse plus. Il est vrai que l'euro en novembre, en tant qu'indice devise, n'a pas fait de nouveau plus bas. Et puis on voit même que face au dollar, c'est un range désormais entre ces 23,57 depuis le 7 novembre et les 25,70. Alors Nicolas me glisse par exemple que lui, les 24, il a renforcé parce que sa stratégie depuis lundi, c'est d'acheter 1,2357. Les récents plus bas, enfin les plus bas, ceux qu'on avait testés début novembre, envisageant derrière un scénario de double creux. En tout cas, forcément, lorsqu'on s'est mis à l'achat sur 23,57, ce retour à 1,24 ne doit être lu que peut-être que comme un retracement. Derrière, on retrouve de toute façon cette clé des 24,50 qui, au fond, détient tout. Bon, le rocade, on a déjà parlé tout à l'heure. Et maintenant le GBP-USD. Alors GBP-USD, je me posais la question. GBP-USD, j'ai l'impression au fond qu'à mesure que le temps passe, il nous fait un espèce de range sous sa résistance hebdomadaire à 1,5750. Donc un espèce de range
avant, derrière, eh bien, dans le sens de cette tendance plutôt négative, de voir venir plutôt une nouvelle jambe de baisse. Mais bon, après, voilà, tant qu'on est sous ces 1,5751, c'est un range, donc on peut acheter le bas du range pour viser le haut. Mais là, honnêtement, ça n'est carrément plus directionnel. Il y a des paires en GBP qui donnent des signaux plus clairs que le GBP USD, qui se retrouvent dans ce range entre 1,5590 et 1,5737. Et justement, il y en a une qui me semblait intéressante, au-delà de l'USD-Yen, c'était le GBP-Yen. Le GBP-Yen est actuellement en position sur une ligne de tendance haussière. Par contre, là où je suis méfiant, c'est qu'il y a un début de div en fait. Enfin, sur les deux derniers tops ici, il y a bon. En tout cas, le GBP/Yen teste actuellement une ligne de tendance haussière, celle qui est en place depuis le 15 octobre. Donc, le GBP/Yen est sur ce support de court terme et clairement des stratégies de relance favorables peuvent se justifier en positionnant le stop sous 184. Derrière, il faut rapidement casser à la hausse 186,12 pour eh bien, que ce marché tende vers de nouveaux plus hauts. En tout cas, donc, parmi les paires en sterling, je m'intéresse ici au GBP/Yen, toujours au-dessus donc, de cette ligne de tendance. L'USD CAD, on peut l'utiliser justement pour étudier le cas de l'EuroCAD ou du CAD CHF. L'USD CAD évolue toujours dans une espèce de canal de baisse dans cette tendance haussière. Peut-être à terme un drapeau, ou on en sortira par le haut. En tout cas, on avait atteint ce matin la partie haute et l'USD CAD revient se poser sur 1,1258. Alors, il y a quand même là, c'est un marché 1,1258. Si ça cède, on revient clairement dans la partie basse. Moi, je m'y intéresserai que lorsque ce marché rejoindra cette ligne de tendance haussière pour laquelle j'ai utilisé la couleur rose clair. Et ça passe plus aux alentours des 1,1170, qui plutôt valide en fait ce scénario de pullback et de rejet baissier sur l'EuroCAD, d'autant plus que le CAD CHF, lui, eh bien, classe clairement une résistance à 0,8580 et semble donc en route à nouveau pour les 0,8636. Cette stratégie sur l'EuroCAD et CAD CHF, elle vous a été annoncée en direct vendredi dernier dans l'émission Wall Street Insider. J'avais mis en avant ces deux graphiques comme deux points de trading parfaitement clairs pour jouer eh bien, cette dynamique de renforcement du dollar canadien sur le FX, rappelez-vous donc suite aux chiffres de l'inflation vendredi dernier. La UDN, n'oubliez pas le niveau des 100 pour une stratégie d'achat, laissez la paire tomber dessus et jusqu'à ce que le marché y arrive. Alors, que se passe-t-il avec ce dollar australien? C'est la question que vous posez tous peut-être depuis ce matin. Ce matin a eu lieu donc une espèce de ce qu'on appelle l'ABE, hein, une association d'économistes en Australie, un dîner annuel. Et lors de ce dîner annuel, M. Philip Lowe était donc invité, c'est le gouverneur adjoint de la Banque centrale d'Australie. Il a fait un long discours en avançant beaucoup d'arguments, on avait des graphiques, beaucoup de supports. Je ne retiens qu'une phrase, celle en fait. Eh bien, qui rappelle que le taux de change du dollar australien eh bien, joue un rôle très important en ce qui concerne les performances commerciales de l'économie australienne. Donc ça, c'est important. Il y avait une phrase ici qui me paraissait importante que je vais essayer de retrouver. Elle était dans ce paragraphe où, en clair, le gouverneur adjoint eh bien, rappelait que le taux de change était justement trop élevé. Voilà, donc nous avons cette phrase en fait où le gouverneur adjoint dit une valeur moins élevée du dollar australien serait utile, would be, hein, helpful, serait utile pour améliorer les perspectives macroéconomiques de l'Australie. Donc il y a clairement à nouveau une référence à ce taux de change et ce qui a créé depuis ce matin de la pression négative sur le dollar australien. Y a-t-il cependant des opportunités de trading? Cela vous a été mis en avant à nouveau par notre analyste Adrian, mettant en avant cette opportunité que représente l'AUD-NZD en zone d'achat. L'AUD-Yen, je pense que le niveau des 100 est un chiffre qui, au premier test, créera une réaction favorable. D'autre part, c'est l'objectif théorique depuis qu'on est sorti par le bas de ce petit range intraday. Donc, le niveau des 100 m'intéressera pour une stratégie d'achat. Quant à l'AUD-USD, eh bien, je reste à l'écart de l'AUD-USD, car eh bien, j'ai bien l'impression qu'on est encore en train de casser un support et qu'au fond, eh bien, la UD-NZD
reste dans une dynamique de baisse. Et alors, je vais aller chercher mes graphiques en données journalières parce qu'on avait un bas de canal qui passait, je ne sais plus exactement où est-ce qu'il passait. Mais en tout cas, nous avons un signal de vente qui a été donné ce matin par la cassure de cette ligne de tendance. Et donc, eh bien, on peut essayer de raisonner en proportion ici sur l'AUD/USD. Qu'est-ce que nous pourrions viser? Je vais attraper cette jambe. Attendez, hop, on va attraper cette jambe de baisse au point haut de cette conso. Ce qui, au fond, d'une certaine façon, pourrait permettre de viser 0,8425. Et ce, tant que ce marché maintenant se maintiendra sous les 0,8566. Donc, essayons un peu ce dollar australien encore se déprécier avant d'avoir des opportunités d'achat que je vous recommande essentiellement du côté de l'AUD yen sur les 100 ou encore de l'AUD NZD. Voilà. Alors, je pense que là, j'ai fait un tour assez complet de ces paires de devises. Et finalement, de toutes les paires en yens, l'USD yen reste, je pense, une des plus belles configurations pour jouer l'appréciation. On est dans un range et tant qu'on tient 117,35, je pense que cette paire USD yen peut rejoindre ses récents tops et même aller au-delà d'ici la fin de l'année. Voilà pour le tour d'horizon du FX. Maintenant, on va parler matières premières et ensuite je répondrai à vos questions. Demain, il se joue quelque chose d'important. Enfin, jeudi, pardon. Il se joue donc une réunion de l'OPEP. Vous êtes ici sur le site de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette association réunit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pays, l'Algérie, l'Angola, l'Équateur, l'Iran, l'Irak, le Koweït, la Libye, le Nigeria, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Venezuela. Ce graphique est disponible sur le site de l'OPEP, OPEC en anglais, vous rappelle que ces pays membres représentent 81% des réserves de pétrole prouvées, ici en 2013, ont donc une importance majeure. Parmi ces pays de l'OPEP, je vous propose de découvrir ici les chiffres de ce site statistique proposé donc par l'agence américaine CIA, qui vous propose un classement ici des pays producteurs de pétrole en 2012. L'Arabie Saoudite occupe la première place, de loin, suivie des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Et ensuite, on retrouve un certain nombre de pays qui appartiennent à l'OPEP. D'ailleurs, actuellement, aujourd'hui, ont lieu des tractations entre la Russie et l'OPEP. L'enjeu étant quoi? Eh bien, ce sont des pays qui produisent et exportent du pétrole, et forcément qui sont rémunérés en grande partie en fonction du prix auquel ils vendent ce pétrole. Il s'avère que pour certains d'entre eux, le niveau actuel, eh bien, autour des 75-76 dollars pour le pétrole brut, est un niveau insuffisant pour assurer des équilibres budgétaires, ce qui n'est pas le cas encore pour l'Arabie Saoudite, et a priori l'Arabie Saoudite, en tant que premier producteur mondial et pays phare de l'OPEP, ne serait pas en faveur d'une modification du niveau de la production actuelle de l'OPEP. En tout cas, des tractations ont lieu, des pressions, des négociations, pour faire en sorte de créer un phénomène de rebond technique des cours du pétrole ou de reprise haussière. L'analyse technique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour l'instant que ce marché reste en tendance baissière. J'émets, il est vrai, depuis la semaine dernière, un scénario de rebond technique, tout simplement parce que j'ai observé, et finalement la semaine dernière m'a donné en partie raison, puisque ce n'est pas une semaine de baisse. Il y a donc une interruption dans 8 semaines consécutives de baisse. Cependant, il n'y a pas de hausse non plus, ou très marginale. Le Brent reste baissier, même sur le court terme, tant qu'il se maintient sous la résistance des 81,60. Alors, on peut même y voir finalement une espèce de drapeau ici en H4 avant la reprise de la baisse. Donc, c'est compliqué. Le marché travaille autour des 79-80 dollars ici sur le pétrole de la mer du Nord. Et sur le brut US, le marché travaille entre les 75 ici, 50 et les 76 dollars. Et on retrouve encore cette espèce de configuration en flag dans un canal de baisse. Et donc, sous les 77,50, eh bien, c'est la tendance haussière qui peut donc continuer. Clairement, si demain nous n'avons pas un geste, ne serait-ce que symbolique, du point de vue du niveau de la production des pays membres de l'OPEP, eh bien nous aurons une poursuite de la tendance baissière de ces pétroles. Cependant, eh bien le marché est dans une phase d'attente. Et si sur le Brent, les 81,60 étaient franchis, nous aurions un signal de reprise en direction ici des 88 dollars sur les cours du Brent. Par contre, sous ces 81,60, eh ben, il y a clairement
risque dominant quand même de reprise de la baisse et de revenir chercher ici les récents plus bas. Donc, c'est bien sûr très important à suivre. Notons donc que le dollar US est donc parfaitement soutenu. Quelles sont les meilleures paires de devises pour jouer l'appréciation du dollar US ? Vendre l'euro-dollar sous résistance, certes, mais plus que jamais, je pense que acheter l'USD-Yen est beaucoup plus intéressant, surtout lorsqu'il teste des supports. Et comme nous avions ce matin l'USD-Yen était à une quinzaine de pips d'une ligne de tendance haussière existant ici depuis le 10 novembre 2014. Donc des stratégies d'achat protégées par un stop sous le support à 117,35, c'est tout à fait envisageable pour viser 120 yens d'ici la fin de l'année ici sur la paire USD-Yen. Et donc le NZD USD c'est compliqué parce que finalement on a cassé 0,7823 donc voilà. Et les indices, on n'a pas fait grand chose depuis tout à l'heure. Nous allons avoir une clôture 4 heures dans 2 minutes, donc je vais pouvoir répondre à vos questions de manière plus précise. Un mot sur l'or et l'argent et je me laisse guider par vos questions. Sur l'argent, notre analyste Romain Cap conseille de surveiller cette ligne ici qui attrape tous les tops de marché. Vous êtes ici en données 4 heures sur les cours de l'argent métal. C'est un niveau, je pense, qu'il faut surveiller plus comme un niveau d'accélération. L'argent, je ne sais pas ce qu'il est en train de nous faire, cependant, il est sous une résistance à 16,65. Et donc, c'est vrai que tant qu'on est sous 16,65, il y a cette possibilité qu'on fasse un espèce de wedge, de biseau sous la résistance. Et donc, ça, en termes d'analyse technique, ça fait plutôt essoufflement avec un risque de revenir sur les 15,92. Donc, je surveille. Ce qui est certain, c'est qu'une clôture H4 au-dessus des 16,65, c'est un marché qui peut reconquérir 17, voire 17,50, 17,70. Sous les 16,64, la situation reste compliquée. L'once d'or, lui aussi, se reprend, mais de manière très lente. On vous en parle beaucoup depuis la semaine dernière. On voit qu'une résistance s'est formée à 1204, mais qu'il existe un support ici à 1190. Et au fond, j'ai quand même encore le sentiment que le potentiel de reprise, il n'est pas terminé, et qu'on peut revenir chercher 1220, mais ça s'aplatit là aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'on est en train de construire. On se retrouve sous ces 1200, 1204. Mais en même temps, on a repris les 1178. J'ai un peu de mal là à vous dire exactement ce qui se prépare sur ce marché. Si ce n'est que j'éviterai pour l'instant de le vendre. Je vais maintenant répondre à vos questions en m'appuyant sur les nouvelles clôtures 4 heures. USD/CNH rapidement, le support à 16,14,20 est un point d'achat. Ma conviction elle n'est pas très forte, mais c'est un point d'achat de l'analyse technique, le support à 6,14,16. 6,14,20, d'accord ? Pour une stratégie d'achat, et dans ces cas-là, protégé par un stop sous cours de clôture, sous les 6,13,36. Bon. En tout cas, au-dessus de ce niveau, le stop, ça dépend de beaucoup de paramètres. Le stop graphique serait sous le plus bas de ce grand corps ici. Mais en utilisant uniquement le niveau horizontal et cette ancienne ligne de tendance, à 6,13,90 par exemple, dès lors qu'on peut déclencher un achat sur les 6,14,16. Il fait un stop autour de 30-40 pips, ce qui est tout à fait intéressant. Je mets ici les cours de l'euro-dollar, du CAC, et je réponds donc à vos questions. Alors l'euro-GBP, donc je vous ai proposé un point tout à l'heure, bien complet. Finalement, l'euro-GBP, j'utilise des graphiques de long terme qui me permettent de voir que quelque chose progressivement se construit au-dessus de 0,7760. Maintenant, sur le très court terme, il faut impérativement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tenir 0,79, sinon, ce niveau des 79,20 qui fonctionne depuis 24 heures ne fera pas plus que créer cette stabilisation.
Donc, nous en avons parlé tout à l'heure. 3,9 pour ce chiffre de la croissance économique aux États-Unis. Donc Jean-Jacques Vecteur nous partage une opinion sur les statistiques qu'il juge manipulées. Vous savez, il ne faut même pas trop s'enfermer dans ce genre de débat. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Le marché réagit en tenant compte. Et finalement, pour un investisseur sur les marchés, il ne faut pas trop se fatiguer l'esprit à se demander si ils sont réels ou pas, ou qu'est-ce qu'ils représentent. Ce sont des catalyseurs. Ils font réagir le marché dans l'état même où ils sont proposés, donc il faut en tenir compte comme ça. Alors, Panthère 666, vous souhaitez avoir un éclairage plus précis sur le DAX. Je vais utiliser la clôture 4 heures. Alors, la clôture 4 heures est certes favorable. Nous avons en effet un chandelier H4 dont le cours de clôture permet de franchir 9892 points. Bon, c'est vrai que ça tient, on enchaîne encore cette dynamique haussière qui est plutôt pas mal, et de toute façon d'ici la fin de l'année le DAX il ira à 10 050, ne serait-ce que grâce au rallye de fin d'année sur lequel j'essaierai de revenir la semaine prochaine en vous montrant des statistiques et en vous rappelant que c'est un phénomène qui se concentre sur la dernière quinzaine du mois de décembre. Mais nul doute que ce marché ira plus haut. Après, la question qu'on se pose à court terme, nous testons une résistance importante. Voilà, donc c'est 9892. On en fait une cassure H4 marginale. Il y a quand même un écart aux indicateurs très important, c'est suracheté. Il faut prendre des bénéfices. Par contre, déclencher des stratégies de vente sur des marchés autant bullish, je ne souhaite pas me griller les ailes. Je ne m'intéresse, jusqu'à preuve du contraire, qu'au niveau de support ici, sur ce marché action. Qu'est-ce qui me ferait m'intéresser à des stratégies de vente? Bah, à l'époque, ici, lorsqu'on avait construit une situation d'inversion de tendance sur le DAX, depuis cette journée du 25 septembre, avec un signal de baisse évident et donc un rythme de baisse bien précis. Pour le moment, c'est bullish, ça tient. On teste certes un haut de canal, mais au fond, en utilisant les niveaux de prix horizontaux, eh bien, prochaine target, c'est les 10 000. Par contre, voilà, on est quand même dans un haut de canal, donc je ne serais pas surpris qu'on revienne. Le niveau daily, le gros niveau daily, le gros niveau de pullback, c'est 9004. Hein. Je peux vous montrer ici des graphiques. Et le CAC, hein, attention, lui, il reste en position sous ses 4004. Donc, ce ne sont pas non plus des niveaux qui sont pour l'instant franchis fortement. Bon, par contre, l'Eurostox 50, lui, je serais méfiant quand même sur le court terme parce que, voilà, l'Eurostox 50, il n'y a pas de div en l'état, mais vous voyez le RSI H4, hein, on a un récent top là qui n'est pas encore réellement confirmé par le momentum intraday. Cependant, on a cassé une résistance en oubliant ces indicateurs de momentum. Nous avons une succession de creux et de sommets ascendants. Une tentative ici à nouveau de cassure haussière, la tendance reste haussière. Il me paraîtrait contre nature de chercher des stratégies de vente sur ces marchés qui restent bullish. Si vous voulez vendre, eh bien vous avez la résistance à 4004 sur le CAC. 4004, stop de 15 points au-dessus, parce que si ça passe, c'est 4436. Alors, vous êtes donc à l'achat sur le 4CHF à 85,50. L'objectif, c'est 86,36. 86,36. C'est un niveau de résistance ici horizontal. Donc le FRAC 40, en effet, pour l'instant, ne passe pas. Vous avez shorté l'Eurocad à 1,40,40. Eh bien, votre objectif, c'est... Alors, il y en a plusieurs des objectifs, hein. Mais c'est déjà de revenir tester les points bas de la semaine dernière, quoi. Donc, déjà, revenir chercher un 39. Et un niveau intermédiaire ici sur les 39,65. Mais là, c'est plutôt propre, quoi. Épaule, tête, épaule, le pullback, et ça repart. Bon. La UDNZD, c'est toujours la même chose, hein. Moi, je m'intéresse ici à cette zone, ici. Donc, entre un 0,9,17 et un 0,9,31. CAC, on voit que ça passe pas, hein, 4004.
Alors cette disposition ici intraday, je vous rappelle qu'elle est disponible sur notre forum, hein, puisque je la partage sur le forum. Vous pouvez donc la chercher. Pitoun nous partage un lien donc de Zero Edge. Alors Olivier, donc non justement j'essaie de proposer des stratégies de suivi de tendance. Ah, les stratégies de cachure en effet elles sont tout à fait intéressantes, les stratégies de cachure, dès lors que, notamment sur les périodiennes, dès lors qu'on a une bonne tendance. Hein, donc moi je les conçois tout à fait. C'est simplement que je préfère intervenir au moment du pullback, Olivier. Il y a la cachure, le pullback me donne plus de conviction pour agir. Typiquement, ce que nous avons constaté sur l'Eurocad ou encore le CAD CHF. Donc finalement, aujourd'hui, le DAX réalise plutôt une cachure haussière des 9800, qui sont ce niveau-là daily. Donc là, oui, d'ici la fin de l'année, même si on est dans un canal, on peut faire peut-être un flat ou revenir dans le bas de canal. Écoutez, désormais, voilà, la target d'ici la fin de l'année, maintenant, c'est 10 000 et 10 050 hein, sur ce marché action allemand. Hein. La UDCAD, eh bien, casse très proprement un support. Donc aujourd'hui, c'est signal de vente sur la UDCAD. C'est un peu comme on a eu sur l'Eurocad vendredi. La UDCAD casse un support. Donc, c'est un signal de vente. Maintenant, pour se positionner, il faudra attendre le pullback. Le prochain objectif sur la UDCAD, bah, c'est 0,9410. Donc ça, c'est pas mal du tout. Nous avons là bien sûr un dollar australien qui a été pénalisé par les propos de M. Lowe et un dollar canadien qui lui est toujours soutenu par les chiffres du régime des prix domestiques Canada publié vendredi dernier. Signal de vente donc sur la UDCAD. Nous avons un premier objectif à 0,96 et maintenant ce que je vous conseille c'est de bien surveiller le pullback. Attention, il peut être profond comme sur l'Eurocad. Et ensuite, eh bien envisager dans le sens de la tendance, hein, comme le préconise cher Olivier. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y aura probablement un pullback sur les 0,96, 85, 0,97, 10. Ce sera un point de vente ici sur la UDCAD, hein, qui donne donc un signal de vente. Alors, quel impact sur la yen japonaise? Eh bien, le yen fera de nouveau plus bas. Alors, Cindy Bad, vous mettez en avant l'existence de divergences sur le dollar US. Le principe d'une divergence, c'est qu'elle indique une modification du momentum, c'est un signal d'alerte. Le rythme de marché se modifie, ça peut simplement monter moins vite. Donc tout ça c'est très potentiel. Pour l'instant le dollar US il fait de nouveau plus haut et le dollar US lorsque vous lui montrez une divergence il la prend avec ses deux mains et la casse en deux. En clair cela n'empêchera pas cette monnaie de s'apprécier sur le marché des changes. Donc en effet vous êtes le premier des Français sur le concours FXCM Marco. Eh bien, merci, c'est gentil. Donc, Led Zeppelin, le DAX s'achète sur support. Et je vous. Alors, on va reprendre en revue le DAX. Vous êtes face à un graphique en données journalières. Nous avons atteint un objectif de cours ici, les sommets ici, de septembre dernier, 9892. C'est un objectif de cours daily de quoi ? Le signal d'achat sur le DAX a été donné le 18 novembre. D'accord ? Le 18 novembre, c'était la semaine dernière. Cassure des 9400 points. Un pullback, vous doutez que le marché réalise des pullbacks. Nous avons eu un pullback le 20 novembre. D'ailleurs, il s'agit ici d'une configuration en Doji Dragon. Cassure haussière des 9400, pullback et ça relance. Donc, on peut parfois attendre 3-4 jours avant d'avoir son point. Mais le trading se fait dans la durée et dans le sens de la tendance.
Nous sommes désormais sous résistance ici sur le CAC et le DAX. Alors Franck, alors on a déjà parlé de ces éléments là, nous en avons déjà parlé, la UDUSD aussi, Annette un trait d'humour sur les poules blanches, ok merci Marco, et enfin nous allons terminer par le gaz naturel. Alors le gaz naturel c'est important, pourquoi ? Parce que vous avez un nouveau contrat qui est disponible. Je crois que c'est peut-être déjà fait, mais Nicolas doit vous préparer quelque chose. Le gaz naturel, on a fait une jambe de hausse entre le 28 octobre et le 10 novembre. Depuis, on est probablement en train de faire un flat. Et je pense que derrière, ce marché peut aller plus haut. Alors, un flat peut se justifier, nous pourrions avoir ce type de construction, peut-être un futur triangle ascendant. Bon. Le marché là, il tente de défendre ce niveau ici des 4,15. Pour l'instant, c'est ce que je vois ici sur graphique en données journalières. On va essayer d'affiner. Alors, je n'ai pas parlé du Yuka 100 parce que on peut pas tout suivre. Voilà, mais c'est sûrement très intéressant. Mais là, je n'ai pas de graphique prêt sur l'indice anglais. Donc, je vous invite à visiter notre forum pour avoir une opinion sur ce marché britannique. Voilà donc pour ce point de marché, hein. Je pense qu'on a évoqué beaucoup d'actifs, donc je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un webinaire sur la plateforme TS2, donc c'est celle que vous avez sous les yeux. Alors si vous vous posez des questions par exemple sur la façon dont on peut paramétrer l'outil graphique, eh bien on pourra vous l'expliquer donc tout à l'heure. Quant à moi, je vous retrouve demain à 14h15. Merci beaucoup de votre attention et bonne fin de journée.